Partir, c'est Prague ou vélo conseil, ce que vous voulez. Voilà, je viens de me prendre un orage en vélo en rentrant du boulot. Donc, est-ce que c'est dangereux de prendre un orage en ville en rentrant du boulot? Les éclairs tapaient à peu près à 200 mètres autour de moi. Et attendez, je retourne parce qu'on a quelque chose, on a de la visite, c'est trop drôle. Regardez, qu'est-ce qui se promène là? Vous avez vu ça? Un hérisson, je vais pas l'embêter, hein. Je vais juste le filmer. Alors désolé pour la qualité, hein. C'est terrible, pas terrible, on voit rien. Mais regarde-le, il est là. Un petit hérisson, il pleut, il est content. Vous voyez? Laissons-le faire son boulot. Ah oui, j'en étais à. Est-ce que c'est dangereux de rouler des éclairs et tout ça? Bah en fait, pas tant que ça en ville. Moyen, vous avez des paratonnerres partout autour de vous, vous avez des bâtiments qui sont plus hauts que vous. Malgré que le vélo soit un conducteur électrique exceptionnel, là, il n'y a pas trop. Enfin, le risque est quand même vraiment limité. Donc, pas de souci, même si ça tombait à 300 mètres, c'est pas un problème à vélo, aucun souci. Après, j'ai des pneus rayurés. Est-ce que ça va m'aider? Est-ce que ça va révolutionner ma tenue de route et tout ça? Il faut savoir que, en fait, non. Ce qui va servir, c'est plutôt la qualité de la gomme. C'est essentiellement ça qui va servir. Je suis mouillé du sol au plafond, hein. J'ai même pas de tenue, même pas de caouet, rien. Et non, ça ne sert à rien. Pourquoi ça sert à rien? Parce que l'accompagnement existerait à peu près en vélo, sachant qu'on a une pression au centimètre carré qui est bien supérieure à la voiture, et encore plus au camion et à beaucoup de choses, même plus qu'un bulldozer. On a une pression au centimètre carré qui est énorme en vélo. Et l'aquaplaning existerait autour des 200 km/h. Personne n'a testé, personne n'est allé jusque-là, enfin jusqu'à l'aquaplaning, hein, bien sûr. Quand on va rouler à 200, on s'attend à ce que le temps soit plutôt bien. Voilà, bon, cette vidéo va être pourrie de nuit, mais bon, comme vous l'aimez, voilà, je vous la partage. Donc, du coup, l'aquaplaning, les pneus rayurés ne servent à rien. Ah, il y a du monde sur la caméra. On entend les éclairs, il y a une goutte d'eau. Allez, bonne journée à tous.